je pars entre deux. De façon, on va faire un décalé. Et j'y vais. Un peu d'ananas. Combien je vous en mets? 1 kilo? 2 kilos? Oui, c'est bon, là, on a rapproché la caméra, c'est bien? Ça m'inquiète, c'est bon, là. Donc, j'ai mon filet qui est ouvert, mon rougis qui est ouvert, huile d'olive, fleur de sel, zeste d'orange. Bon, je viens replier mon rougis comme ça. Déjà, comme ça, il donne envie, non? Je saisis mon rougis. Dès que je le saisis, la peau, elle change de couleur, elle se perce un petit peu, et surtout, le rougis, il se rétracte. Il se rétracte, il forme une couche protectrice, donc du coup, il empêche la chaleur de passer. Et du coup, j'ai un rouget qui est très coloré sur la peau et cru à l'intérieur. Tiens, tiens. Donc, je dresse le rouget, mais je suis pas, vous savez, je suis pas sûr de moi. Je me dis, c'est un peu pas très cuit comme ça. Et à ce moment-là, ce client, il me dit, j'ai un coup de fil et il faut que je m'absente 5 minutes. Moi, je me dis, putain, le rouget, il est prêt, il s'en va, le rouget, il va être trop cuit. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le filme, je filme l'assiette. Et j'avais une casserole qui était en train de bouillir sur le fourneau. Et tu dis, tiens, je vais le garder en température, c'est ça. Je le maintiens en température en faisant comme ça. Avec le rouget dessus et l'assiette filmée. Je me dis, la chaleur d'en bas, elle va pas le cuire, elle va le maintenir.